thank you Pour cette fin d'année 2021, l'Université ouverte de Versailles vous propose d'explorer une nouvelle fois ses archives sonores en vous faisant découvrir ou redécouvrir la conférence L'Europe, aboutissement d'un millénaire d'histoire. Cette conférence, donnée par M. Michel Rocard, ancien Premier ministre, nous offre la vision éclairée d'un homme d'État sur un sujet qui, dix ans plus tard, reste toujours d'actualité. Cette conférence est extraite du cycle Europe qui a eu lieu en 2011-2012 à l'Université ouverte. Nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, une excellente écoute. Je voudrais d'abord saluer la mairie de Versailles et saluer son maire. Je n'aime pas beaucoup en général que les maires honorent un conférencier de passage d'un temps de présence à côté d'eux en laissant l'impression qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Et je trouve sympathique que le maire affirme qu'il a du boulot. C'est sa fonction, je l'en félicite et je l'en remercie d'autant plus. Et comme j'ai été maire moi-même 18 ans, ce commentaire n'est pas du tout hypocrite, il est chaleureux et vous transmettrez, s'il vous plaît, à monsieur le maire, tout en vous remerciant de l'avoir représenté avec tant de dynamisme. Je... En général, quand on commence une conférence et qu'on regarde les regards, quand ils sont sympathiques, on est content, c'est le cas. Mais j'ai un plaisir tout particulier à prendre la parole devant une université interâge. Il y en a pas tellement à travers la France. Or, nous sommes un pays qui prend de l'âge petit à petit. Un des grands problèmes du pays, c'est que ceux qui prennent de l'âge continuent à se conduire comme s'ils n'en prenaient pas, c'est-à-dire restent tactiques. C'est un problème à tous. Et deuxièmement, c'est pour tout le pays un grand problème que de maintenir nos seniors à l'activité pleine et entière et au dynamisme du pays. C'est dans ce sens-là que je suis heureux d'être des de ce soir et honoré d'un choix de la mairie de Versailles qui, politiciennement, tant de pré-campagne électorale, n'allait pas de soi, chacun le sait. C'est une raison de plus de saluer le, le dirais-je, de la mairie de Versailles. Il a été choisi comme titre, je ne sais pas quelle est la part de démocratie là-dedans, je ne suis pas sûr que vous ayez voté pour le choix du titre. Mais enfin, il vous est proposé, on me l'a proposé, je ne l'ai pas choisi. Europe 2.0, L'aboutissement d'un millénaire d'histoire. Immense sujet. Cette semaine même, la survie de l'euro, donc de l'Europe, est une des clés de, du dépassement d'une grande crise qui est mondiale. Donc l'Europe est importante, ce sujet est en pleine actualité, et pourtant j'ai envie de discuter le titre. Si l'Europe est comme elle est, c'est dû à bien plus d'un millénaire d'histoire. Et je vais curieusement pour vous commencer mon propos par un temps donné à l'histoire très longue, au-delà même du millénaire. Vous allez voir, ne réveillez pas d'avance. J'espère vous surprendre un peu, mais vous soumettre quelques éléments de réflexion. Je... Nous sommes après le déjeuner, la somnolence menace. Il faut parfois s'accrocher aux branches. Vous ne pouvez pas... Et puis, le discours monologué sans projection de dessins ou de cartes pour attirer l'attention, c'est fatigant. Je vais numéroter mes paragraphes pour que vous, vous raccrochiez aux branches si l'attention disparaissait un peu. Je commencerai donc paragraphe premier par l'histoire très longue. Pourquoi l'Europe est née comme elle est. Mon deuxième paragraphe sera consacré à sa construction récente. Le système Jean Monnet. Mon troisième paragraphe sera l'impuissance politique et son prix. C'est un peu d'histoire récente. Le quatrième sera consacré à la crise actuelle, la multicrise actuelle. Et le cinquième sera une espèce de conclusion sous forme de probabilités risquées sur l'avenir. Je vais vous demander la permission de préparer la partie agricole de mon propos, qui est l'irrigation, puisqu'il faut toujours irriguer les objets de travail. Quelquefois c'est de l'huile, fois c'est de l'eau. Mais ça aide. Donc, un peu de réflexion sur l'histoire longue, parce que dans le cas de notre Europe, elle est surprenante. Nous sommes en effet un cas particulier par rapport aux autres continents. Voici pas mal de centaines de milliers d'années, nos ancêtres étaient chasseurs-cueilleurs. Ils étaient physiquement en bonne condition, c'était des durs à cueillir, mais ils vivaient de chasse et de cueillette et ils étaient très nomades. Ce qu'on appelle vraiment l'humanité décolle génétiquement, on ne sait pas très bien quand, et décolle physiquement avec le feu. C'est le feu, la découverte et le contrôle du feu qui va assurer la maîtrise d'Homo sapiens par rapport à ses concurrents parmi les descendants des chimpanzés, puisque nous sommes tous descendants de chimpanzés, si vous voulez bien, et parmi euh, les bêtes sauvages. Petit à petit, en quelques millions d'années... L'élevage puis l'agriculture sédentaire vont créer des regroupements d'hommes, des sociétés qui seront stables. Et dès qu'arrive une société stable, dans le regroupement d'hommes, pas nécessairement dans son occupation d'un territoire, le premier problème qui se pose toujours, c'est l'éradication de la violence. Vous n'avez pas eu, moi non plus, l'occasion d'une discussion personnelle avec notre Créateur. La raison de savoir pourquoi il a mis tant de méchanceté dans l'espèce humaine reste obscure. Peut-être il voulait grossir l'enjeu des paris. Toujours est-il que l'espèce humaine est la seule qui prenne plaisir à s'entretuer sans, sans objet alimentaire. C'est une dose de créauté assez particulière. Il y a tant de méchanceté dans l'espèce humaine que dans toute société, le premier problème consiste à en éradiquer la violence pour qu'elle devienne stable. Et c'est ainsi que naissent les chefs, le chef ayant pour objet de maintenir le calme dans la tribu, dans la famille, dans la dans le clan, et pour ce faire d'empêcher qu'on s'y livre à d'avant d'État, qu'on fasse justice soi-même. Et dès l'instant que la violence privée s'accompagne d'armes, le chef va exiger le monopole des armes internes. Le pouvoir naît toujours autour du contrôle de la violence. Et c'est ainsi que naissent les systèmes de pouvoir. Et il y a une logique des systèmes de pouvoir, elle est la même un peu partout dans le monde, elle mérite qu'on y réfléchisse. Nous sommes des sociétés stables parce que la réussite de l'éradication, jamais totale, il y a quelques assassins parmi nous, mais enfin Dieu merci, il n'y en a pas beaucoup, il nous reste la possibilité de survivre. Je sais que les personnes prenant de là sont plus menacées que d'autres. Reste que nous ne sommes pas un cas statistique suffisant, nous sommes des sociétés stables, vous en conviendrez sans doute avec moi. Comment ça s'est fait? Il a fallu pas mal de milliers d'années pour que les chefs deviennent au, génère, au jugement des populations légitimes à revendiquer le monopole des armes et à interdire les vengeances privées. Pour soient... Alors. Leur légitimité, au début, ils la conquéraient en étant les plus forts. Seul était, physiquement cap... Seul était le chef, celui qui était capable d'assurer la justice générale au nom des autres, par la force, si besoin était. Au fur et à mesure que les sociétés se stabilisent, petit à petit, les chefs tentent de transmettre le pouvoir plus à leurs fils qu'à d'autres aussi forts physiquement qu'eux. Ils avaient davantage confiance, ça peut se comprendre. Mais dès, dès l'origine, on comprend que les chefs avaient besoin d'être reconnus, d'être légitimes, d'être acceptés dans cette tâche. Donc on parlait, il y avait un argumentaire. Et cet argumentaire, depuis pas mal de millénaires, c'est un général qui m'a accueilli tout à l'heure, est toujours le même. Nous sommes des gentils. Dans le clan, dans la famille, on n'a pas d'ennemis, on n'est pas violent. La violence vient de l'autre. Celui qui n'a pas la même couleur de peau que nous, qui ne parle pas comme nous, qui ne prie pas comme nous, qui est différent. Et partout dans le monde, l'éradication de la violence interne s'est faite en justifiant que la violence dans la société venait d'ailleurs et qu'il fallait assurer la défense contre l'ailleurs, l'autre, le différent. Partout dans le monde, ça s'est fait. Et, le, et tout, tout système de pouvoir partout, c'est vrai partout, a eu comme logique d'étendre le champ géographique du pouvoir qu'il contrôlait pour repousser le plus loin possible le violent, l'autre, l'ennemi, le barbare, celui qui parlait différemment, celui qui avait une autre couleur de peau, une autre façon de prier, le ou les dieux. Cette logique de l'extension géographique du pouvoir, elle a joué partout dans le monde. Et si vous vous souvenez bien, notre apprentissage de l'histoire à l'école passe dans l'histoire très ancienne par la découverte que partout dans le monde, il y a eu des empires immenses. Quelques-uns, le chinois, demeure toujours. Le Japon est un archipel plus petit, mais il y a toujours un empereur du Japon, toujours. C'est un empire bi- ou trimillénaire, avec des mauvaises passes dans son histoire, bien entendu. Mais c'est vrai aussi, ces empires, c'était l'extension du pouvoir de guerre, du pouvoir contre l'autre et le différent, jusqu'aux limites du connu et du possible géographiquement, du possible explorable. C'est vrai des Incas, c'est vrai des Aztèques, c'est vrai en Afrique, la culture de l'Afrique n'est pas écrite, elle est orale, on a eu beaucoup de mal à reconstituer, il a fallu... Lire des pierres, enfin peu. Mais c'est vrai de l'Empire Zoulou. C'est vrai de l'Empire du Bénin il y a douze siècles. C'est vrai de l'Empire du Ghana il y en a 7 ou 8 de siècles. C'était bien avant de l'Empire égyptien, de l'Empire hittite. Ces deux-là ont on marqué notre histoire. Et c'est plus vrai encore plus près de nous, de l'Empire perse. Cyrus de Perse. Je vous rappelle le nom de Cyrus de Perse, qui est un de ceux qui ont construit dans la zone eurasiatique, la zone la plus difficile, l'empire le plus énorme. Cyrus de Perse est le premier, mais même longtemps le seul, qui, quand il conquérait un nouveau pays, il faisait construire des statues en l'honneur des dieux locaux. Vous avez bien entendu, des statues en l'honneur des dieux locaux. Cyrus de Perse, est, il y a 3000 ans, le premier laïque, c'est-à-dire le premier constructeur de tolérance des religions. Et cette image qui vaut à un moindre degré pour la plupart des autres empires, un cas on ne sait pas bien, mais pour le Chinois on est sûr, pour Alexandre l'empereur de, de, de Macédoine qui avait fait un immense empire, on est plus sûr pour l'Empire romain c'est évident. Ces empires acceptaient la diversité. Et le schéma du commandement, c'est très important, c'était que le pouvoir politique était lié à la guerre, à la force. Au maintien de la paix interne par le monopole de la force en interne, mais ce n'était pas très grave, on avait résolu le problème. Ce qui était important, c'était la guerre, la guerre contre l'autre, repoussée aussi loin que l'on pouvait dans les frontières. Et ces empires avaient tous pour caractéristique de pas beaucoup s'occuper des pouvoirs locaux. La responsabilité de la quotidienneté, la façon de vivre, les mœurs, le permis, le pas permis, dans les vies quotidiennes, dans les vies pratiques, était une affaire de pouvoirs locaux, donc un peu de municipalité, mais aussi de religieux. Et ces premières formes de pouvoir à travers le monde acceptaient la diversité et étaient au fond des pouvoirs à faible densité sociale, puisque localement, il y avait une très grande diversité acceptée. Et l'Europe est une exception à tout ça. Du temps de la Grèce et de l'Empire romain, mais surtout de la Grèce. L'Europe, c'était une terre froide, terre forestière, une terre de sauvages, de barbares, inculte, indisciplinée, et au fond vouée au gémonie, la civilisation n'était pas là. Elle commence un peu avec l'Empire romain, il s'affaiblit car il est sur le tard, et c'est Charlemagne qui le reconstitue. Au fond, tout parle Charlemagne, qui, qui, qui construit l'empire européen à la manière des empires dont je vous ai parlé jusqu'ici. Mais il a trois petits-fils. À l'époque où on partage les domaines et le pouvoir est symbolisé par la propriété du domaine, avoir trois fils ou en l'espèce trois petits-fils. C'est la dernière des folies ou des irresponsabilités. L'héritage de Charlemagne, on partage l'Empire en trois. La zone francophone, elle est déjà germanique. France, Franc, Franconie, c'est le nom d'une tribu germanique. Notre monnaie est le nom d'une tribu germanique et le nom de notre pays aussi. On se croit latin, c'est plus loin qu'on ne croit il y a les vrais germanophones de l'autre côté puis au milieu il y a la Lotharingie vous vous souvenez de ça la Lotharingie ça allait du bassin du Pô en Italie ça occupait toute la Suisse et les Savoies, toute la Bourgogne et la Champagne l'Alsace et naturellement jusqu'aux Flandres jusqu'à la mer c'était l'empire de Lothaire de cette définition de la Lotharingie pour diviser l'empire de Charlemagne sort 1200 ans de guerre entre la France et l'Allemagne pour solidifier la frontière. Mais l'éclatement de l'Empire de Charlemagne permet beaucoup plus de découvrir la réalité de l'Europe. C'est ce que je viens de raconter. Les empires chinois, japonais, inca, africains ou, 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 ou moyen-orientaux ne jouent pas en Europe. L'Europe, c'est l'exception au milieu de tout ça. Il y a en Europe une douzaine, à peu près une douzaine, de communautés linguistiques. Qui vont être suffisamment densément peuplés, température et modérée, ça appelle toute la suite, suffisamment enthousiastes au fond dans leur vécu de communauté pour résister les unes aux autres et pour empêcher par la guerre, par le combat et par la force que se maintienne un grand empire comme l'empire d'Alexandre ou l'empire romain, ou encore une fois l'empire inca par exemple. À cause de cette douzaine. La douzaine, on peut la compter. La Suède, le Danemark ont baladé leurs armées jusqu'au dans le centre de l'Europe. Ce sont des communautés nationales extrêmement vivaces, à la langue bien définie. La Pologne, la Hongrie aussi, bien entendu. L'Espagne, on peut dire absolument la même chose, parce que la Catalogne s'est toujours sentie suffisamment reliée à, à l'Andalousie et au cœur central du pays avec toutes ces autres provinces. Pour le Portugal, c'est aussi clair. C'est parfaitement clair aussi pour les deux grosses communautés linguistiques, que sont la germanophone et l'italophone. Elles mettront plus longtemps que d'autres à construire leur État, mais elles le construiront quand même. Dans la communauté germanophone qui est la plus large de toute l'Europe, il y aura même deux États, l'Allemagne et l'Autriche. Notez que chacune de ces communautés, l'anglophone, pareil. Nous sommes dans une communauté linguistique. Chacune de ces communautés construit son état quand elle en a besoin pour des raisons commerciales. Les provinces unies des Pays-Bas, c'est la Flandre. La Flandre, c'est l'origine des Pays-Bas. Elles ont produit leur état quand elles en ont eu besoin pour des raisons commerciales d'autres pour des raisons plus davantage militaires. C'est le cas de la Pologne ou de la Hongrie. La Pologne est un cas très typique. La vérité de la communauté nationale polonaise tient le coup historiquement, malgré de temps en temps des déplacements de frontières d'est en ouest ou d'ouest en est d'au moins 200 kilomètres, selon le résultat des guerres. Mais la communauté est toujours là, le pays toujours aussi vaillant. Et c'est un, un rude membre de l'Union européenne aujourd'hui que la Pologne. Personne ne douterait de son identité nationale. Tout ça sont des communautés nationales, à la seule relative exception de l'Espagne, où il faut faire sa place aux Catalans. Ça n'a pas changé grand-chose. Le cas bizarre, c'est la France. La France, un espace qui est le plus vaste, une population qui a été longtemps la plus nombreuse, mais très diverse. Et dans le cœur de ce pays-là, un peu au nord du cœur, le bassin parisien plus le Val de Loire naît un petit royaume qui va lier 40 rois et qui aura des vertus militaires un peu supérieures à tous les autres. Et le royaume de France va se faire par la conquête, pour 80% de son territoire et de sa population, s'il vous plaît, de peuples qui parlent et qui prient différemment. La Bretagne, religion, elle était druidique, langue, elle était gaélique, presque irlandaise, ou galloise en tout cas sa langue. L'Occitanie. L'Occitan est la troisième entre l'espagnol et le français, des grandes langues issues du romain qui se sont perdues en route. On l'a assassiné. Mais c'était une langue écrite, avec des universités, des poètes, une littérature. C'était le tiers du royaume. Et la guerre des Albigeois, c'est la guerre du Nord contre le Sud, parce qu'ils étaient hérétiques, ils étaient cathares. Pour cause de catharisme et de parler occitan, nous sommes allés les mettre au pas. C'est-à-dire les ramener dans le politiquement correct de l'Église catholique apostolique et romaine, qui régnait au nord. Mais la guerre des Albigois fait alors on discute beaucoup les chiffres. On a lu jusqu'ici ou là un million de morts. Contentons-nous de la moitié. Mais 500 000 morts avec les techniques militaires de l'époque, mesdames, messieurs, chers amis. Nous sommes chez les Hutus et les Tutsis. Ne, ne, ne riez, il vaudrait mieux pleurer rétrospectivement. C'est abominable. La France s'est construite comme ça. Nous avons aussi détruit façon de penser, culture et, auto, et autonomie religieuse en Corse, en Allemagne, en Alsace, pardon, pardon, en Alsace, et pour partie seulement, dans notre partie du Pays basque, probablement la plus dense. Des identités régionales culturellement définies. Et la Flandre, pendant le millénaire ancien, le premier, quelle était la capitale de la Flandre C'était l'île. Et on y parlait flamand. Et le découpage a fait disparaître le flamand de l'île, fait même oublier qu'elle elle fut pas seulement flamande, elle fut capitale. La France s'est construite comme ça. Il y a beaucoup de restes d'ailleurs. Et un des restes les plus curieux, c'est que tous les pouvoirs centraux, les rois, les empereurs et les cinq républiques, se sont toujours méfiés des collectivités territoriales, des communes, des régions, des provinces. Ils avaient peur que si on laissait la liberté à nos anciennes provinces, elles redeviennent centrifuges. Puisque 16 sur 22 ne parlaient pas français, il y a encore un bon millénaire, sinon au moins. Dans. Le Royaume de France, quand vient la Révolution française, c'est 12-13% des habitants de cette terre qui parlent français. C'est ça notre beau pays de France. Il est comme il est, on l'adore. Je suis hyper fier d'être français, mais ce souvenir est important. Ça donne des visions sur les choses. En tout cas, dans cette affaire, les 12 communautés ont maintenu leur existence par de multiples guerres dans tous les coins. Il y avait une tentative, cependant. Et il faut que je fasse une allusion là, je regarde ma montre par inquiétude, à la bataille de Bouvines, ça doit être 1214. L'Église catholique essayait de reconstruire autour de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique, mais il ne s'appelait pas encore Saint-Empire romain germanique, c'est une domination post-Bouvines. C'était l'héritage de l'Empire romain. Essayer de reconstruire ça. Et un empereur lettré, civilisé, pas du tout un athélo, un vrai intellectuel, une manière de philosophe, qui s'appelait Othon II, réunit des troupes d'un peu partout. Il y a des Irlandais, il y a des Espagnols, il y a des Portugais, il y a beaucoup de Flamands, il y a des Germaniques, il y a des Germanophones, il y a même quelques Suédois, paraît-il, dans une bataille contre l'irrédentiste de ce petit roi de France qui refusait d'appartenir à l'Empire. Au nom d'une vision plus restreinte, plus sectaire et plus dure du, du pouvoir. Ça s'appelle Bouvine. Et c'est la France qui gagne. Alors bravo, c'est dans le cocorité national, c'est notre fierté collective. C'est peut-être le drame au nom duquel l'Europe est toujours divisée. Car l'enjeu, c'était de savoir si la France acceptait de se fondre dans l'Empire en voie de reconstitution. Tout ça est assez étonnant. Et ça, il vaut mieux la connaître, cette histoire, où on en pense qu'on en voudra. On est très fiers d'avoir gagné à Bouin, mais il faut comprendre, et comprendre est important, là. Et moi, ça me ravit de découvrir toutes ces choses. En tout cas, il s'est passé autre chose. Il s'est passé qu'entre le système de pouvoir, disons, dont l'Empire romain était représentant, c'est-à-dire un système de pouvoir uniquement militaire, chargé de la guerre et de la police, et très tolérant, très diversifié, sans aucune exigence religieuse, par exemple, tolérant une très grande diversité, et laissant une grande autonomie locale. C'était des gouverneurs. Pilate était le patron de chez lui, pratiquement, vous le savez tous. La zone européenne de l'Ouest a hérité des tribus germaniques, un autre concept du chef. Les tribus germaniques avaient déjà vécu entre elles l'hostilité intertribale et les difficultés d'avoir un commandement commun. Et donc les chefs étaient des chefs d'unités petites, mais dans des unités petites, ils avaient tous les pouvoirs, vie et mort sur les concitoyens, problèmes de violence, etc. Mais aussi le contrôle des mariages, des divorces, le contrôle du politiquement correct, le contrôle des actes économiques. Certains étaient acceptés, d'autres pas. Il y avait des choses trop nouvelles pour qu'on puisse les reconnaître. Bref, le roi germanique est un roi de droit divin infiniment puissant et qui commande aussi au local. C'est autre chose que les empereurs de l'histoire. Et pour son malheur, l'Europe a, recop... a repris la tradition germanique du roi chef de tribu, en lui donnant un énorme pouvoir considérable à lui seul le roi. Sur tout son territoire, sur tous les aspects de la vie de la population. C'est ainsi que naissent nos nations. Et curieusement, quand nous sommes passés au XVIIIe siècle, vous comprenez qu'à ce il faut que j'aille très vite, hein je ne peux pas entrer dans beaucoup de détails, parce que ce qui vous intéresse, c'est tout de même l'époque actuelle. Qu'est-ce que ça laisse comme catastrophe, tout ça Quand très vite, on s'est débarrassé des rois parce qu'il y a eu assez d'alphabétisés, de gens intelligents et informés dans la population. Les révolutions, ça vient à partir du moment où l'essentiel le, où du peuple est alphabétisé. 50 ou 60 ans après. Il n'y a pas d'exception à cette loi. C'est drôle. Quand on se débarrassait du pouvoir d'un seul, parce que l'intelligence et l'information de tous permettaient de réfléchir à créer la démocratie, on a gardé le concept de nation, petite, en bagarre avec les autres, et ayant tout pouvoir. La souveraineté nationale. C'est l'héritage à la fois du roi germanique et de la démocratie athénienne. Voilà comment ça s'est passé. Dans un ensemble très conflictuel, l'Europe, je vous ai dit pourquoi, nos communautés ont, ont, ont résisté. Et c'est dans cette terre-là, bizarrement, ce n'est pas au Moyen-Orient, ça aurait pu, ce n'est pas en Chine, ça aurait pu autrement, que l'esprit humain invente la maîtrise de la nature par la technique. Dans les années 15e siècle, la fin des 1400 et quelques, on commençait à beaucoup naviguer. Et les jonques, notamment du prince portugais Henri le Navigateur, il n'était pas navigateur du tout, il n'avait pas quitté son palais, mais il était commandant de flotte et, et, et armateur. Navi Prenez l'habitude de contourner souvent l'Afrique. Et de remonter au-delà du Cap de Bonne Espérance vers la Corne de l'Afrique, etc. Dès qu'ils passaient à la Corne de l'Afrique, ils ont rencontré énormément, beaucoup fréquemment, de jonques chinoises. Et ces jonques chinoises, il y avait dessus des gens qui avaient le papier, qui avaient inventé la poudre à canon avant nous, qui avaient inventé le gouvernail des, des navires au lieu de rames, et surtout la boussole avant nous. Qui avaient des cartes. Bref, la Chine, XIVe, XVe siècle, était techniquement prête à franchir le grand pas. Et puis il arrive un incident formidable qui va nous laisser la place c'est que vers 1480, fin du quinzième siècle, un empereur chinois, qui avait reçu beaucoup d'Européens à sa cour, en rivalité entre eux, des Portugais, des Flamands, des Anglais, des Espagnols, bien sûr, des Italiens, des Génois, Formule ce jugement. Ces Européens sont violents. Ils ne sont pas fraternels entre eux. Ils ne croient qu'à l'argent. La fréquentation des Européens va polluer l'âme du grand peuple chinois. Je décide de les renvoyer, d'interrompre les contacts et de condamner à mort quiconque va construire des navires. Chine, 1580. Condamnation à mort de toute construction naïve. La Chine s'endort pour cinq siècles, elle se réveille maintenant et elle nous laisse la place. Et c'est donc en Europe que va se faire le formidable mouvement où la conquête de la machine va multiplier l'énergie des hommes par un facteur 100 ou 150. Les citoyens français à l'époque de la Révolution vivaient à peu près comme ceux de Louis XIV. Et pas beaucoup mieux que les citoyens de l'Empire romain. Économie agricole, transformation artisanale du bois et d'autres denrées agricoles, du cuir notamment, un peu de textile, c'est tout. Pas beaucoup mieux. Vous et moi, nous vivons 140 à 150 fois mieux que nos seuls arrière-arrière en parents du temps de la Révolution. Le mystère, c'est la machine c'est l'électricité, c'est la machine à vapeur, c'est la surmultiplication de l'énergie et c'est en Europe que ça se passe d'où le fait que la culture européenne, la façon de penser européenne ont pris le commandement du monde, ça se passe là mais ça ne règle pas le problème de l'art de vivre ensemble entre les gens qui ne prient pas de la même façon, qui ne parlent pas les mêmes langues, il y a même une bonne quarantaine de langues en Europe et qui n'ont pas la même vision du monde. Si bien que le rêve de reconstruire l'Europe unie est constant. Et depuis Charlemagne, beaucoup en ont rêvé. Celui qui en a rêvé le plus fort s'appelait Charles Quint, qui fut même empereur, élu, mais empereur. Donc avec une chance de la reconstruire, cette Europe. Et il a échoué. Et de rage ou de colère ou de désespoir, peut-être plutôt, il a démissionné sa fonction d'empereur pour aller s'enterrer dans un couvent espagnol. Vous connaissez tous cette histoire inouïe. Un autre en a rêvé, on le sait. Il a été assassiné avant d'avoir eu le temps de bouger dans ce sens, et c'est Henri IV de France. Mais on peut dire la même chose de Napoléon Bonaparte. Simplement, il y avait trop de bruit de boîte là-dedans pour que ce soit acceptable pour d'autres. Et, et la non-disponibilité de l'Europe à être faite de manière militaire, entre naturellement aussi Adolf Hitler, il valait mieux. Mais le rêve est toujours là, l'aspiration. Et celui qui l'a le mieux dit et qui a le mieux caractérisé la possibilité d'une réconciliation pacifique et politique. Le rêve des États-Unis d'Europe avec ce mot dans le discours. C est un député de Paris qui dit ça en 1851. Donc c'est un homme politique parisien. Simplement le député de Paris en question s'appelait Victor Hugo, ce qui laisse penser qu'il avait dans la vision un peu autre chose que les élections du lendemain matin et de la politique politicienne. Le texte de Victor Hugo sur ce sujet est toujours le plus beau texte sur l'Europe qu'on puisse avoir n'importe où. Chaque fois que je passe dans une mairie, droite ou gauche, peu importe, je dis, il faut recopier le texte et le faire distribuer. Mon général, c'est une idée pour vous. On n'a jamais mieux parlé de l'Europe. C'est d'une actualité urgente. Cette semaine, cette semaine, l'Europe est en crise. Voilà comment elle est, notre Europe. On n'a pas écouté Victor Hugo. Et du coup, on va à de multiples massacres dont celui de la guerre de 1914-18. La guerre de 1914-18, elle fait quand même 30 millions de morts. C'est cher. On va, on va faire mieux après. À la suite de quoi, quand même, d'une part, on crée la Société des Nations pour essayer d'y mettre fin, et d'autre part, deux très grands bons hommes, deux ministres de étrangères, celui de France et celui d'Allemagne ensemble. Qui s'appelle Aristide Brion et Gustave Stresemann, se mettent à prêcher après la guerre, et pour en éviter une nouvelle, non seulement une réconciliation franco-allemande, mais les États-Unis d'Europe, la Fédération européenne. Et ce discours est très intense dans la première décennie de l'après-guerre, c'est-à-dire entre les années 20 et 25, 26, 27. On ne les écoute pas, on se moque d'eux, le prurit nationaliste est victorieux. Et le prurit nationaliste associé à la grande crise, car le système capitaliste manque s'effondrer, nous avons de 1929 à 1932 l'une des plus grandes crises de notre histoire avant l'actuelle. Et cette crise, elle fait élire Adolf Hitler. Et nous allons tout droit en oubliant que Stresemann et Briand avaient prévenu, avaient annoncé et fourni la contre-réponse. On a complètement oublié. Et la Seconde Guerre mondiale sont pris en dehors des drames du communisme et du Goulag. 50 millions de morts en Russie entre Russes. C'est atroce. Ce n'est pas mon chiffre. Il se trouve que le chiffre est le même. 50 millions de morts, c'est aussi le nombre des dégâts produits militairement par la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça devient de la folie absolue. Et c'est pourquoi, fin de mon premier paragraphe, début de mon deuxième paragraphe, le besoin de créer quand même une, une unité européenne quelque chose qui ressemble est immense. Même Churchill fait à Zurich, à l'université de Zurich ensuite, c'est drôle, hein, en 1946, un immense discours qui dit à peu près ceci, vous autres les Européens, vous avez des difficultés à vous entendre, il devient nécessaire de s'en sortir, c'est absolument urgent et totalement nécessaire que vous fassiez, et je cite Churchill, quelque chose qui ressemble aux États-Unis d'Europe. Quelque chose qui ressemble aux États-Unis d'Europe. C'est formidable, formidable. Et il ajoute, et si vous faites ça, la Grande-Bretagne et les nations du Commonwealth vous applaudiront fortement, vous aurez un entier soutien de la puissance américaine, et peut-être même, il n'y a pas de raison, le soutien de l'Union soviétique, auquel cas tous les problèmes de paix et de guerre seraient résolus. Donc Churchill avait déjà compris qu'il nous fallait faire l'Europe, mais pas avec la Grande-Bretagne dedans. Je vais naturellement revenir sur ce point britannique. Alors après la guerre, tout le monde se dit, ils ont raison, il faut bien faire quelque chose. Et un homme très intelligent propose une manière de faire qui séduit assez vite les politiques. L'homme est un Français, il s'appelle Jean Monnet, il est professionnellement un industriel du cognac, c'est un producteur de cognac, un charentais. Pendant la guerre, il a été l'organisateur du financement de la France libre à partir de prêts américains. Donc son métier, c'est la finance sur le long terme. C'est la discussion des projets longs et des financements incertains. Il a la tête à ça. Et lui dit il faut absolument faire l'Europe. Personne refuse cette idée, mais personne ne sait comment s'y prendre. Et lui devient plus précis et dit c'est inutile. Est dangereux d'attaquer les souverainetés. Aucun député nulle part n'est élu pour abaisser le drapeau. Aucun parlement ne peut se permettre de confier la défense nationale à un comité international dont on ne sait même pas comment il voterait. Ce n'est pas possible. Il y, y a un os sérieux au cœur de la souveraineté. Monet dit il faut contourner la souveraineté en créant entre nous tous des interdépendances techniques suffisamment fortes pour rendre la guerre impossible entre nous, suffisamment fortes pour créer entre nous des vrais liens, des liens tels qu'à terme, ça produise du pouvoir et que l'unification de l'Europe naisse de cette manière. Voilà la grande idée de Jean Monnet. Alors, sur la base de cette grande idée, ça commence avec des étincelles formidables. La première idée c'est la fusion des industries françaises et allemandes du charbon et de l'acier. Pourquoi Pour empêcher la guerre d'après. Si nos industries du charbon et de l'acier, les industries des canons, des tanks et des navires hein, et des avions sont fusionnées, on, on verra si quelque part, clandestinement, quelqu'un recommence à émettre une demande nécessaire à fabriquer des avions ou des canons. Et c'est donc pour éviter ça. Et l'idée éblouit, tout le monde se rallie très vite. Il est cette idée, je crois, bien vers 1948 ou 9. On négocie le traité vers 1949-50. Il est d'application en 1951. Formidable succès, c'était intelligent. Très vite, la Belgique, la... le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie disent On veut en être. Et tout le monde, peut-être vous aussi, dont vous souvenirs, Bravo, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg adhèrent au projet fédéral européen. Pour du tout, ce n'était pas le problème. On a mis très longtemps à comprendre qu'ils avaient peur. Ils étaient tous des pays charbonniers. Même l'Italie, qui avait une puissante industrie de récupération d'acier, une acierie sur de l'acier récupéré, elle n'avait pas de minerai. Mais tous étaient puissants, ou bien charbonnières ou bien férifères. Et ils avaient peur de voir se construire un grand monopole commercial dans lequel ils ne seraient pas. C'est pour ça qu'ils ont voulu venir. Mais un coup de main donné au projet fédéral. Et c'est ainsi que naît ce qu'on a appelé longtemps la petite Europe. Et c'est vite un gros succès. Mais très vite, on s'aperçoit que ce succès ne suffit pas et qu'on a beau avoir nationalisé et fédéralisé, d'une certaine façon, les productions de charbon et d'acier. Ça ne suffit pas à garantir la paix dans le monde à l'avenir, et même seulement entre les Européens. Donc il faut plus. Deuxième idée, elle est aussi française. Ça, c'est pas Jean Monnet, c'est Robert Schuman. Pourquoi est-ce que, puisqu'on y est, on ne mettrait pas en commun les armées Au moins, on prend le problème par le sommet. C'est les armées qui font les guerres. Mettons-les ensemble, on n'aura plus que des problèmes de de décolonisation, de confrontation avec l'Union soviétique, la guerre froide commence, mais au moins plus de problèmes entre nous. Et ça aussi, c'était vrai. Les quatre autres pays fondateurs sont d'accord tout de suite. Et on écrit vite un projet de traité. Les Américains sont fous de joie, approuvent des deux mains. Car pour eux, la guerre froide commence. Nous étions tous complètement dé démilitarisés, démobilisés. Il n'y avait plus d'armement. Repréparer la confrontation avec l'Union soviétique, c'était une question d'assurance. Et notamment, les Allemands, c'est quand même un peu très nombreux, très puissants, très important de réarmer les Allemands en même temps que tous les autres pour avoir la masse face à cette toute puissance Union soviétique. Mais nous sommes en 1953-54, la guerre n'est pas très loin. Remettre des uniformes et redonner des armes à des soldats allemands. Pendant que tous les ans, tout le monde fait le pèlerinage d'Oradour-sur-Glun, ou autre chose de ce genre, trop tôt, pas compréhensible, pas possible. Déjà, les Néerlandais se fâchent un peu, et finalement, en France, l'Assemblée nationale française, en 1954, vote contre le traité inventé et proposé par la France aux autres de communauté européenne de défense. On a eu raison ou on a eu tort, je ne sais pas. C'est tellement difficile, les affaires des armées. Je ne suis pas sûr qu'une légitimité franco-allemande, si vite après la guerre, ça aurait été. Je ne suis pas sûr. Cependant, si l'armée française avait été un élément non distinct, non isolable d'une armée européenne, je ne suis pas sûr qu'on serait allé se déshonorer inefficacement avec tant de morts pendant la guerre d'Algérie. Ça aurait été quelque chose. Le bilan n'est pas clair je vous le laisse pour réfléchir ce soir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'en est jamais remis. Car jamais en Europe, il n'a été possible de réunir des entités techniques avec du, du vrai pouvoir. Nous voilà donc panne d'Europe, destruction de la CED 1955 56 Où est-ce qu'on va Il faut d'autres idées. Le français Louis Armand en propose une et dit... Puisqu'on a mis en commun le charbon, l'énergie du passé, on serait fort avisé de mettre en commun l'énergie de demain, l'énergie atomique. D'où le troisième des traités européens, qui est l'Euratome, la Communauté européenne de l'énergie atomique, et qui est mise en commun nos efforts de recherche pour faire une énergie civile. Très bonne idée, tout le monde est d'accord. On va le signer ce traité en même temps qu'un autre, mais assez vite. Et ça part très fort. Notre délicieux pays de France propose l'idée, rédige le traité, signe et ratifie, et ensuite passe 40 ans à désosser le traité de l'intérieur pour que l'aventure nucléaire, électrique, civile française soit proprement française et pas mélangée dans le traité. Du pauvre traité de Ratom, c'est ça aussi la France. C'est nous, quoi. On est comme ça. On fait avec, si vous voulez bien. Il reste de ce traité un très grand centre de recherche à Genève. Un, un, un cercle de 27 km de, de... circonférence, qui est un grand accélérateur de particules où sont faites beaucoup de découvertes. Le CERN de Genève et l'Enfant de l'Oratome, c'est tout ce qui en reste. Et puis on cherche toujours une idée. On n'en trouvait pas. Alors il se produit là un événement tout à fait étonnant. Un fonctionnaire obscur dont on a oublié le nom. Les fonctionnaires savent bien, quand ils ont une bonne idée, c'est leur directeur ou leur chef de service qui les pique et que le nom oublie. Donc on a oublié le nom du gars qui a dit, pourquoi ne pas mettre en commun la douane On va trouver M. Jean Monnet qui était toujours président du comité pour les États-Unis d'Europe. Pourquoi ne pas mettre en commun la douane Et Jean Monnet commence par répondre, ça manque de noblesse. Et c'est vrai. Quelle était l'idée Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui acceptent de se faire tuer Pour leur foi pour Dieu, pour la liberté, pour la patrie, pour la langue. Pour tout ça, on a vu des gens accepter de se faire tuer et on en voit toujours. Je ne sais pas si vous avez jamais lu un code douanier, c'est encore plus ennuyé qu'un botin téléphonique, mais qui irait se faire tuer pour la douane, s'il vous plaît. Donc comme personne ne veut aller se faire tuer pour la douane, ce n'est pas un enjeu de souveraineté. C'est en plus un avantage collatéral que je tiens à dire ici même si c'est un peu scandaleux de le dire, c'est que c'est tellement ennuyeux que ça ennuie même les journalistes, et que toute négociation sur les problèmes douaniers, en général, est beaucoup plus paisible que les autres par désintérêt général. Ce qui ne veut pas dire du tout que ce soit moins important. Au contraire, la suite va le démontrer. Mais on n'a pas d'autre idée. Et Jean Monnet finit par l'accepter. Et on va proposer de mettre en commun la douane, c'est-à-dire de faire un marché commun. Non seulement de supprimer les droits de douane entre nous, mais de supprimer aussi entre nous les préférences non tarifaires, c'est-à-dire d'ajuster les règles de santé, d'hygiène, de, technic... de normes, de standards, qui font qu'on ne pouvait pas avoir les mêmes prises électriques, par exemple, un temps. Euh, ou les mêmes calibres de pneus de voitures ou de vélos, etc., etc. Ajuster tout ça, ce sont des préférences non tarifaires. Bref, on fait ça et on ajoute une idée majeure qui est celle d'avoir un tarif extérieur commun. C'est là qu'on passe de l'union douanière au marché commun. Et cette idée, faute d'autres choses. tous ceux qui avaient la conviction qu'il fallait la faire, cette Europe politique, ne savaient plus autour du quoi la faire. On savait bien qu'on ne pouvait pas la faire autour de l'idée de demander au Parlement de s'autodissoudre et de ne faire plus qu'un Parlement européen. Ça, on savait que ça rentrait. Donc, il fallait bien quelque chose et on l'a pris la douane, sans s'apercevoir qu'on prenait une baguette magique. Ce traité, a été, il s'appelle le traité de Rome, mais un petit détail qui est drôle, là, je perds un peu de temps, mais ça ne fait rien. La rédaction. On a envoyé 60 personnes, moitié politiques, moitié technocrates, des ambassadeurs, des économistes, etc., enfermées. Enfermer le conclave dans une île de Méditerranée, qui était en espèce la Sicile, avec interdiction d'en sortir avant d'avoir fini le traité. Le traité est bien écrit, c'est dans l'ordre, c'est bien foutu, c'est le plus long, le plus compliqué de l'histoire. C'est aussi un des mieux écrits, un des plus clairs et un des mieux charpentés. On ne sait plus écrire les traités comme ça. On appelle traité maintenant des documents faits de bouts de papier à bricoler avec du scotch, des amendements passés de main en main entre ministres, et ça fait un traité. On n'écrit plus les traités, aussi bien ils sont illisibles, personne ne les connaît plus. Ça fait partie de la dégénérescence habituelle. Le Tétrom, c'est autre chose. C'est un conclave. Et on décide ce que je viens de vous dire. On va supprimer très vite les barrières douanières internes, presque aussi vite les barrières non tarifaires internes, mettre en service un tarif douanier extérieur. C'est extraordinairement puissant. Le résultat qui va suivre, c'est que pendant les dix ans suivants, le commerce entre les six pays qui viennent de faire ça entre eux va se mettre à augmenter deux fois plus vite que le commerce mondial et la puissance incitative au développement est si forte que le commerce de chacun va même augmenter une fois plus vite pour chacun des pays membres avec le reste du monde moins les cinq autres que par rapport au monde entier. Autrement dit, on a fabriqué sans bien faire attention et sans se rendre compte une pompe à croissance. Un accélérateur de croissance absolument formidable. Le résultat est stupéfiant. Nous rattrapons le niveau dit, de... on l'a reperdu depuis, mais ça, c'est les histoires de la crise actuelle. Nous rattrapons à ce moment-là le niveau dit de des Américains à peu près deux fois plus vite qu'on ne s'attendait à le faire. Tous les dégâts post-Deuxième Guerre mondiale sont effacés et reconduits, et le monde stupéfait assiste à une émergence d'une Europe qui fait coup double en plus. Parce que ce que je viens de vous raconter, vous beaucoup pour l'industrie, les produits industriels, mais grâce à la ténacité de De Gaulle, on inclut aussi un volet de politique agricole là-dedans. Et là aussi, on a inventé une pédale de croissance, un accélérateur à croissance formidable. Quand on signe le traité de Rome, l'Europe, écoutez bien ça, l'Europe importe 30 à 35 de ce qu'elle mange, en moyenne. Et maintenant, nous ne savons plus comment arrêter le fait que nous produisons à peu près plus du double de ce que nous mangeons et que nous sommes devenus le deuxième grand exportateur mondial après les États-Unis, parfois même devant les États-Unis, selon les années, les qualités de récolte et les produits. Formidable affaire. Le monde entier autour de nous est complètement sidéré et n'avait pas vu venir le coup. Au point que, bien, il va y avoir de la jalousie, tout le monde va vouloir en être membre. Et cependant, ce traité de Rome, alors qu'on avait eu les ennuis de la CED, alors qu'on avait eu la tristesse de voir que la CECA c'était bien gentil, mais c'était pas assez, ça servait pas à grand chose. On a fait le traité de Rome sans inventer de nouveaux commandements communs. On a gardé le système de la CECA. Il y a une, un machin qui, qui fait la gestion quotidienne. Sous la CECA, ça s'appelait la haute autorité. Ça recevait des ambassadeurs étrangers autour d'eux pour les négociations commerciales. Il s'est envoyé dans le monde entier des ambassadeurs avec le titre « Chargé des négociations commerciales sur fer ou l'acier ». Dans le marché commun, ça va s'appeler la commission. Les États veulent la dégrader pour retrouver la dignité de la souveraineté nationale, étatique. Le dégât commence là. Donc il y a un machin qui gère l'ensemble. Il y a un conseil des ministres qui prend les décisions L'organe administratif qui gère l'ensemble ne peut faire, du point de vue des décisions nouvelles, que les propositions. Il a même le monopole des propositions. Les décisions, c'est le Conseil des ministres. <laughs> Pardon. Et il y a, troisième élément, un Parlement, et aussi longtemps, cerise sur le gâteau, maintenant, objet essentiel, une Cour de justice pour juger des conflits, des différences entre tout le monde. Ça allait bien à 6, mais remarquez que cette structure veut dire que c'est toujours la représentation de la somme des gouvernements qui décide et que ce qui est vraiment européen, le Parlement par son élection, la Commission par son mode de domination, donc un pouvoir d'application des décisions ou de légalisation, etc., mais non pas le vrai pouvoir de décision qui est resté aux nations. Et ce système, un peu bizarre, on n'a jamais pu le changer ensuite. Donc il est toujours là, alors que maintenant nous sommes devenus 27. Sur la lancée de cette affaire que je vous raconte là, le démarrage est foudroyant, la, le succès mondial est énorme, et la lancée va jusqu'à, 30-40 ans après, la création de l'euro. La création de l'euro est la dernière, et probablement la dernière euh, définitivement, des créations européennes s'apparentant à l'esprit de Jean Monnet. On crée des interdépendances fortes entre nous qui créent du pouvoir et qui nous ligotent, qui nous obligent à vivre ensemble. Et on espère que le pouvoir politique s'organisera pour venir suivre. Mais dans le pouvoir politique, on n'a jamais pu mettre un terme au fait que les décisions centrales doivent toujours se prendre à l'unanimité. Pour faire cette histoire un peu plus courte, la taille devient-elle Ça devient la seconde économie du monde à tout à l'heure. La taille devient telle qu'il est presque ridicule de voir une Europe si grosse ne même pas exister politiquement. Un beau jour, il y a de ça 25 ans, pas beaucoup plus, l'histoire a 60 ans en tout. Un, non, il y a bien 30 ans. Un jeune Français tue trois jeunes femmes dans des trains. Un assassin. Il est extradé au Portugal, il est arrêté. Il n'est pas extradé. Il fuit au Portugal, il est arrêté au Portugal. Impossible de l'extrader. Nous avions tous méfiance des nations les unes dans les autres. Nous avions tous des, des exigences en matière d'extradition sur la parenté des systèmes de procès, tel que ça devenait très difficile l'extradition C'est idiot. Nous avons unifié toutes nos économies et tout le commerce, mais pas les lois commerciales et pas les chambres de commerce, et surtout pas encore les tribunaux de commerce, mais moins encore. Et tout ça finit par créer une diversité de statuts absolument. Casse-tête pour les chefs d'entreprise multinationales, casse-tête pour les commerçants qui veulent commercer avec toutes les autres. Ils sont obligés, quand ils font une société multinationale, de fusionner dans cinq ou six statuts différents. Tout ça devient infernal. Et puis, et puis la Yougoslavie explose à nos yeux, à côté. C'est frontalier pour nous. On n'y peut rien. Les Européens regardent faire pendant deux ans. 200 000 morts dans des massacres abominables. Les Européens mettent deux ans à se rassembler pour décider de faire quelque chose. Et la première décision qu'ils prennent, c'est de faire appel aux Américains. La honte, l'impuissance. Voilà l'état politique où s'est fait l'Europe. Un exemple un peu postérieur, pas de beaucoup d'ailleurs, et qui dit pas mieux, c'est que quand les États-Unis ont décidé cette guerre dangereuse et stupide, et, 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 et aux conséquences catastrophiques d'ailleurs en Irak, L'Europe s'est entre déchirée sur le fait de savoir s'il si fallait les suivre ou pas les suivre, à un point affreux, au point, que je ne dirais pas qu'on ne se parlait plus, mais enfin presque, au point d'une paralysie générale des activités internationales de l'Europe. Voilà l'état de, de, de cette affaire. Mais l'extraordinaire réussite économique, plus une autre réussite, observée par le monde entier avec stupeur, les Français et les Allemands. Vingt guerres depuis la Lotharingie, Heidelberg. Ils entretiennent comme monument national les ruines de couvents détruits par les lansquenets de Louis XIV. Pour qu'on se souvienne de la méchanceté de l'armée française. Ça fait cinq siècles. Dans cette atmosphère-là, on est maintenant mariés et le monde entier regarde ça avec stupeur. Et qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que gérer ensemble. C'est tout autre chose que de négocier un papier pour la suite. Gérer ensemble, c'est une présence quotidienne qui découvre qu'il y a des intérêts communs énormes. N'importe quel Irlandais vous dira que sans la présence de l'Irlande du Sud dans l'Union européenne, il n'y aurait pas eu de processus de paix en Irlande du Nord. L'Allemagne et la Pologne se sont haïs pendant des siècles haïs, conquis, entretués. Sont dans le même processus de réconciliation. Mais le grand exemple, c'est le franco-anglais, c'est le franco allemand, pardon. Et donc ça fait déjà louer, tout le monde veut y aller. Et l'Europe incapable de décider ne sait par exemple pas dire non. Donc elle a accepté tous les élargissements qu'on lui a demandés, sans jamais être capable, ni de dire non à l'occasion, il n'y pas franchement de raison, ni surtout de se réformer pour tenir le coup. Parce que l'humanité du début à 6, ça marchait bien. Mais nous sommes maintenant 27. Et 27, c'est quand même coriace. Dans une décision à prendre de l'unité, il y en a toujours un qui n'a pas envie, il y en a toujours un qui a une campagne électorale sur le dos et qui ne veut pas avoir augmenté d'un argument qui déplaît pour telle ou telle raison de souveraineté ou d'histoire ou de langage à son propre peuple, etc. etc. On en est toujours là. Et l'Europe a échoué. Dans l'art de produire un système de décision. Voilà où nous en sommes. La raison principale, c'est quand même le cas anglais. Quelques minutes sur le cas anglais, ça, ça a mérite. Moi je fais partie de ces gosses qui n'avaient plus de père parce que mon père avait rejoint la France libre pendant les deux dernières années de la guerre. J'avais des nouvelles de papa par Radio Londres. Ça crée des liens. Et de ces liens, d'ailleurs, il est venu que le premier pays que j'ai visité après la guerre fut la Grande-Bretagne. D'où il résulte que la seule langue que je parle au monde, c'est l'anglais. J'avais l'allemand au lycée sous l'occupation, et mon patriotisme a voulu que je sabote mes cours d'allemand. Je ne parle pas un mot d'allemand pour une espèce de refus congénital parce que c'était les affreux, etc., etc. Et naturellement, la première fille que j'ai aimée était anglaise, On a tout est. On l'était fait pour être marié. Et les Anglais, quand ils ont vu émerger le projet, ont été fous de rage. Pour un Anglais, on ne le savait pas, nous, au début. Le continent, c'est l'horreur. D'abord, il n'est venu du continent au cours du dernier millénaire d'histoire que des invasions, des épidémies, des dangers, des guerres. Deuxièmement, c'est des barbares qui ont inventé l'abeas corpus. L'abeas corpus, c'est cette disposition. C'est le cœur des droits de l'homme qui fait qu'il est interdit à tout gouvernement d'emprisonner des gens sans dire pourquoi. Et en Angleterre, c'est 24 heures. Au bout de 24 heures, tout emprisonné par la police doit passer devant un juge. Un juge indépendant. Il s'appelle l'Aberas Corpus. Personne n'a été capable de recopier ça. Qui a inventé le contrôle d'un parlement sur la dépense du roi C'est-à-dire par là la démocratie. Les Anglais. Très grand peuple, immense histoire. En matière de démocratie, nous sommes toujours un peu derrière eux. Ils nous tiennent pour des demeurés ou surtout pour des barbares. Donc il y a un mépris de fer de la Grande-Bretagne pour le reste du continent. Et d'ailleurs, dans ce mépris des Anglais, il y a le fait qu'on a tous été vaincus par les Allemands, c'est au feu. Aussi, quand la Grande-Bretagne découvre en 1946-7 un projet de faire naître... Une identité politique européenne forte et vigoureuse, l'Angleterre panique. Ces barbares, ces ennemis à nous, ces, ces incultes vont se réunir, mais c'est hyper dangereux. Trois siècles de politique anglaise, c'était trois siècles d'excitation de, de la division de l'Europe. Avec une alliance militaire extraordinaire, l'Angleterre, pendant trois siècles, réussissait à s'allier toujours avec la deuxième puissance militaire du continent pour éroder la puissance de la plus forte puissance militaire du continent, quitte à faire la permutation circulaire, comme on disait en mathématiques. Ils se sont trouvés alliés du Danemark, de la Suède, de la Prusse, de la France, des, de l'Italie, des uns contre les autres, etc. etc. Aussi, c'est la panique, et quand on a le projet de marché commun, c'est un déchaînement. La campagne de presse et d'opinion en Angleterre est, est effroyable, mais ça marche, et je viens de vous dire que ça marchait très fort. Si bien que l'Angleterre change de raisonnement et se dit si ça marche, il faut qu'on soit dedans. Et d'ailleurs, il faut d'autant plus qu'on soit dedans, parce que c'est si on est dedans qu'on arrivera à empêcher qu'ils en fassent autre chose qu'un instrument commercial. Une zone douanière, on est d'accord. On veut mieux commercer, bien sûr. Un commandement politique continental, jamais. On va l'interdire à l'intérieur. Si bien que l'Angleterre demande son adhésion en 1963, si ma mémoire est exacte. Ne notez pas, je... La mémoire, c'est un truc qui fléchit avec l'âge, vous savez ça comme moi. ne pas si je me... Mais je crois que c'est ça. Et alors, en France, il y a un OBD, euh, 60. Ben oui. Au pouvoir, il y a le général de Gaulle, qui répond sur le moment Non Vous êtes beaucoup plus américain qu'européen, et vos solidarités sont transatlantiques, elles ne sont pas avec le continent européen. On est bons amis, mais l'Europe, c'est pas pour vous, c'est n'est pas fait. C'est l'unique fois dans l'histoire où un pays demandant son adhésion à l'Europe se l'est vu refuser. Pour la Turquie, ce n'est pas encore fait. Hein. Le seul précédent pour le moment, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est un pays que j'adore, formidablement intelligent, formidablement tenace. Elle a reposé sa candidature. De Gaulle était toujours au pouvoir, mais on n'avait pas eu le temps de répondre définitivement que De Gaulle perdait son référendum en soixante-neuf. Le président Pompidou a braclé l'affaire en vite fait. Venez donc, chers amis, plus on est de fou, plus on rit. C'est le plus rapidement mais le plus mal négocié de tout l'élargissement. Et il a fait entrer à l'intérieur de l'Europe un pays qui n'en voulait pas. Si bien que depuis 1972, date formelle de l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Europe, aucun progrès d'intégration politique n'a été possible. J'ai... Je vais anticiper d'une phrase sur ma conclusion, mais pour la clarté. Toutes ces histoires de vieux pays réclant leur guerre d'il y a des millénaires, on s'en fout. Nous n'avons plus qu'un problème majeur, c'est comment cohabiter avec les Chinois dans le monde de demain, ils sont tellement puissants qu'ils vont commander tout. Ils sont déjà tout seuls, 1,3 milliard. Et s'ils font leur accord avec les Indiens, ils sont la moitié de l'humanité eux deux. Comment on tient devant ça Si on est non seulement le Luxembourg, le Portugal mais même la France ou la Grande-Bretagne. Intellectuellement, chers amis, mesdames, messieurs, je ne sais pas comment être anglais. Je ne sais pas répondre à cette question, ou tiens, par la vertu de notre identité nationale. Mais c'est ça que les Anglais disent. Et pour notre dramaturge, ils ont réussi. Il n'y a toujours pas d'identité politique européenne. La fin d'histoire, c'est quand arrive la crise financière où nous sommes, il n'y a jamais de réponse européenne de choc tout de suite. Il nous faut des semaines pour se mettre d'accord. Nous mettons 15 jours de trop à prendre des décisions qui, sur les marchés, devraient être prises 15 jours avant. En général, c'est même pas unanime. L'Europe n'existe pas dans le traitement de la Grande crise. aujourd'hui. Enfin, voilà où nous en sommes. Il n'en reste pas moins que de cette processus Jean Monnet résulte que nous gérons la première économie du monde et dont la plus grande performance a été d'avoir, sur la fin du mouvement, le dynamisme européen est presque plus là, le dernier grand axe, c'est la création de l'euro. La crise a se noué avec cette monnaie commune qui n'a pas mis deux ans à devenir la deuxième monnaie du monde. C'est même la première monnaie du monde pour les placements d'emprunts publics d'État. Donc c'est un jeu tout à fait considérable, une chose énorme. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui L'impuissance politique ou son prix. J'ai perdu du temps, je vais essayer d'en gagner un peu. Je vais simplement faire des rappels. La Yougoslavie, je vous en ai parlé. La guerre d'Irak, je vous en ai parlé. Chaque fois, l'Europe se déshonore. Et l'Europe fait enregistrer par le reste du monde qu'elle n'est pas là. Et ça a un prix. Quand la Russie, l'Union soviétique au temps de sa grandeur, ou la Chine d'aujourd'hui s'en souviennent, il se rappelle, pas non plus d'accord en Europe sur la relation avec les États-Unis. Un des drames en Europe, c'est qu'il y a quelques pays, la France étant le principal, qui pensent profondément que sur le plan stratégique, dans l'avenir, il n'y a pas de vraie solidarité entre les États-Unis et l'Europe et qu'il faut que l'Europe assure sa, son autonomie stratégique. On peut être allié. Mais il faut que nous ayons une autonomie stratégique chinoise. Il y a quantité de pays, dont tous ceux qui nous viennent de l'Est, maintenant qu'on est 27, qui pensent au contraire que dans la résistance à un étranger trop lointain, ce fut l'Union soviétique, maintenant c'est la Chine, il n'y a de défense qu'américaine, que la carte d'une stratégie d'une armée européenne est perdue, et que dans ces conditions, il faut rester fidèle aux États-Unis, quoi qu'ils fassent. Toutes les anciennes républiques populaires venues du centre de l'Europe et qui étaient communistes ont voté pour le soutien aux Américains dans la guerre d'Irak, au nom de ce raisonnement. Et sur ce raisonnement-là, l'Europe est profondément divisée. De temps en temps, nous rallions quelques-uns des fondateurs Belgique, Espagne, ne pas toujours, etc. Et puis vient la découverte qu'on ne peut plus. Gérer l'Europe comme seulement une entité purement économique et financière. C'était l'exemple de la justice avec mon extradition, c'est bien plus net en politique étrangère. Et donc, messieurs nos dirigeants décident d'élargir la compétence de l'Europe à la diplomatie et à la justice. Et ça va être le traité de Maastricht. Ce serait très rigolo de vous raconter l'histoire parce qu'elle est à étape. c'est un saut de. extraordinaire, j'ai plus le temps. Le traité de Maastricht finalement décide qu'en effet, la compétence de l'Union européenne pourra être étendue dans les domaines de la politique étrangère et de la défense ou de la justice, à la condition qu'on le décide unanimement et que il y ait unanimité, pas, pas sur le détail d'application, mais sur le jugement de cette politique. Ce qui, naturellement, veut dire paralysie. C'était déjà vrai à CIS. C'est encore plus vrai quand on est 27. Donc l'Europe n'a ostensiblement pas de politique étrangère. Nous avons toutes les peines du monde à, communauter, à communautariser le mandat d'amener, le mandat d'arrêter un criminel. Parce que les précautions de nos juges par rapport à la police ne sont pas les mêmes selon les traditions de droit dans nos pays et que l'Allemagne est plus exigeante que la France, etc. etc. Le mandat d'amener européen, il n'est toujours pas tout à fait en place. Voyez où on en est. Et dans ces conditions-là, l'Europe d'aujourd'hui est faite de pays dont la moitié au moins disent clairement on veut une zone économique, pas seulement de libre-échange, on veut une zone de développement économique commun qui soit une zone de progrès. Ça, ça nous va, ça marche. Mais pas plus. C'est la Grande Suisse. J'ai un jour dit alors, la Grande Suisse, ça veut dire quoi Ça veut dire une coalition de gens ou de pays plutôt à l'aise et se mettant d'accord pour gérer leur bien-être en commun en essayant que les étrangers n'y mettent pas le nez ou n'y interfèrent pas. C'est ça la Grande Suisse. C'est le désintérêt affiché pour les problèmes du reste du monde. C'est presque insultant pour la Suisse, mais c'est le résultat aussi de leur constitution. Enfin, J'ai un jour utilisé cette expression au Parlement européen en pensant que je serais considéré comme un insulteur. En pensant qu'on me volerait dans les plumes, c'est pas convenable, on est quand même un peu européen autrement que toi, mais pas du tout. L'expression a été reprise, elle est passée dans la langue. Et je l'ai entendue par, je crois, un député autrichien, disant Nous voulons une grande Suisse. Nous ne voulons pas, cette expression est formidable, la succursale européenne du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça veut dire quoi Ça veut dire Nous ne voulons pas un organe qui fasse la politique générale. Et quand on est devant une méga-crise, il faut traiter avec le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Il faut être gros, parler vite et décider fort. Et si possible, tout de suite. Nous ne sommes pas dans le même monde. Et c'est ainsi que, après Maastricht, les traités suivants, traité d'Amsterdam, nice, traité de Nice, traité constitutionnel rejeté, le traité de Lisbonne, rapiessage du traité constitutionnel, Projeté, qui traité de Lisbonne est actuellement en fonction, les politiques de défense et judiciaire, ou si c'est un peu moins grave, mais de défense et, et étrangère, sont toujours décidées à l'unanimité. Le résultat, c'est que vous n'avez vu, sur aucune des étapes de la grande crise financière et bancaire qui nous occupe depuis 4 ou 5 ans, n'avez jamais vu l'Europe en première ligne de la réponse et de la suggestion. C'était la fin de mon troisième paragraphe. L'impuissance politique et son prix. et son prix. Alors, quel est, quatrième et dernier paragraphe avant la conclusion, la situation actuelle. C'est que les crises se sont multipliées par les crises au féminin est devenu idiot. Nous avons à la fois d'abord le réchauffement climatique, qui n'a rien à voir avec tout ça, qui pourrait bien être le plus grave dont le combat contre lui exige les mesures les plus profondes. Il faut changer. Il faut passer du pétrole à des énergies renouvelables ou au nucléaire. Ce n'est pas rien. Il faut que tous nos logements soient dans des immeubles auto-chauffants ou solaires. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas une crise, c'est une mutation demandée par le fait que nos manières de nous chauffer produisent du gaz à effet de serre qui produit le réchauffement climatique. Ça vient s'ajouter à tout ce qui se passe dans l'économie qui est distinct. Nous avons une crise de la cupidité bancaire par excès de spéculation sur les marchés de produits dérivés. Et c'est celle de 2007-2008. Aggravée de, de, de malhonnêteté, les subprimes ont confiné au vol. Vous avez repéré tout ça. Ça se rejoint avec un ralentissement de croissance qui fait que depuis 20 ans, ou plutôt, disons les choses autrement, que dans les années 45 à 75, au moment de la naissance de l'Europe, nous avons tous, souvenez-vous, connu le plein emploi. Et pratiquement 30 ans de suite, la France, on a oublié ça. Amérique du Nord, États-Unis, Canada, toute l'Europe de l'Ouest, plus le Japon, 30 ans à croissance rapide à 5% de moyenne, plus absence de crise financière jamais, et plein emploi. C'était formidable. On a perdu tout ça. Et aujourd'hui, entre 9 à 10% de chômage, le chômage remonte, manifestant une reprise d'augmentation dans à peu près tous nos pays. Le fléau nouveau, inconnu à l'époque des Trente Glorieuses et maintenant dramatique, est la précarité. Et qui touche entre 15 et 20% des travailleurs de tous les pays développés. Un précaire, ce n'est pas un chômeur. C'est un travailleur qui mit très mal, avec des contrats à très courte durée, du, du, du temps partiel. Non choisis, et parfois même, c'est rare en France, mais ça existe beaucoup aux États-Unis et, et dans d'autres pays d'Europe, des salaires en dessous du niveau légal de la pauvreté. Tellement la pression est forte. Et ça, ce fait qu'à peu près 30% des populations de nos pays développés soient aujourd'hui fragiles devant le marché du travail, ça veut dire du pouvoir d'achat en moins. Et qui dit pouvoir d'achat en moins dit tout bêtement, croissance en moins, emploi en moins. Ça fait partie de la crise. C'est même une partie de cette évolution-là qui explique pourquoi tant d'argent a été enlevé au pouvoir d'achat des salariés et a été petit à petit détourné vers le marché spéculatif des produits dérivés et des marchés virtuels. Je vais un peu vite, je m'excuse, c'est compliqué, on a peu de temps. Est-ce que c'est ça qui nous arrive en ce moment Tout à la fois. Ces différentes crises ne dépendant pas complètement les unes des autres, mais s'aggravant bien sûr les unes les autres. Et au milieu de tout ça, le leadership pour combattre contre la crise a échappé à l'Europe qui devait l'avoir. Il est repris par nos diplomaties nationales. Le président Sarkozy se bat bien sur ce front-là. Il est bien meilleur à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur. C'est un avis privé, nous sommes en campagne électorale. Je n'insisterai pas sur ce front-là. Incontestablement, c'est un bon combattant. Il a du mal à se faire les accords avec Mme Merkel, parce que l'Allemagne, qui a deux fois dans l'histoire récente posé solennellement à la France le problème de savoir ce que la France voulait en matière d'unification européenne. La première, c'est pendant les années 70, une communication, ça va rappeler quelque chose à quelques-uns d'entre vous. De deux députés de la CDU sur ordre du chancelier Kohl, ces deux députés s'appelaient Lamers et Schäuble. Ils font un mémorandum sur l'avenir européen en disant il faut choisir si on veut une concentration, si on veut plus de souveraineté au niveau européen, donc plus de déclaration d'interdépendance de souveraineté ou moins. Car c'est la France qui avait bloqué à Maastricht dans la négociation du traité de Maastricht, la France avait laissé tomber l'Allemagne, qui était la seule à être vraiment fédéraliste. Ce mémorandum de M. lambert sécho n'a reçu aucune réponse, ni du gouvernement, ni de partis politiques, ni du Parlement en résolution, ni de personne. La France n'a pas osé répondre. Et il y a un deuxième épisode, dont sûrement quelques-uns d'entre vous se souviennent, il y en a eu plein les journaux. Un jour, leur superbe député, leur super ministre des Affaires étrangères, Joshka Fischer, une grande intelligence, un, vert, un député vert, mais raisonnable et responsable, fait un grand discours sur la nuit et repose. Cite pas la France, pas d'insulte, pas de. Nous sommes dans la modération, Nous sommes dans la réflexion. Il faudrait que l'Europe dise ce qu'elle veut. Et une nouvelle fois, il n'y a pas de réponse française. Et donc l'Allemagne a compris. Elle joue son propre jeu. Elle, elle vient de refaire son unité. Et elle a un mal fou à économiser tout l'argent formidable qu'elle a mis en Allemagne de l'Est pour compenser les dégâts de 40 ans ou 50 ans, 40 ans, de communisme. Et elle s'occupe d'elle-même. Et elle considère que la France n'est plus un partenaire fiable. C'est ça qui se passe. Mais on a fait l'euro. Et on n'échappe pas au fait qu'on est bien obligé de répondre ensemble parce qu'on est coincé. Non seulement on s'est ligoté, mais on s'est ligoté avec un outil qui a une extraordinaire puissance. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, je m'achemine vers ma conclusion. Vous avez compris que pour euh, la Chine ou l'Inde, ou même la Russie d'ailleurs, l'Europe n'a pas vraiment d'existence tant qu'elle n'est pas aussi capable de se défendre elle-même, ce qui n'enlève rien à l'importance de son pouvoir de décision propre. Or, de pouvoir de décision propre, elle n'a pas. Il faut qu'elle négocie, qu'elle tombe à l'unanimité, à 6, 12, enfin les quelques chefs. On y met trois semaines, on est hors du coup. Et c'est la crise de défaut de paiement sur des monnaies souveraines, principalement celle de l'euro à cause des mauvaises gestions de certains pays membres de l'euro, mais qui ont la monnaie commune. Et sur cette crise-là, une phrase, nous avons créé une monnaie commune. Est-ce qu'on l'a créée sans faire attention à ce qu'on faisait je vais prendre un exemple franco-français rétrospectif. On a eu le franc pendant trois siècles, sinon un peu plus. Tant qu'on avait le franc, on a presque aussi longtemps eu des ennuis avec la Corse. Le pays de foutoir, l'assemblée locale, départementale sans jamais de majorité, conduit n'importe quoi avec des grosses fraudes, etc. Est-ce que n'importe qui pourrait imaginer le trésor français disant « Nous ne reconnaissons plus les dettes de la Corse, qu'ils se financer sur les marchés internationaux, la Corse ne nous intéresse plus ». Personne n'y a pensé. C'est impossible. Ils sont dans la monnaie, la monnaie commune. C'est une solidarité d'abord. Avant tout. Par principe. On discute le reste après. Par principe. On crée une monnaie commune. C'est un peu tôt, c'est pas encore dans toutes les cultures. Et voilà qu'au moment où la Grèce fait défaut, ah ben non, on propose de faire comme s'il n'y avait pas de monnaie commune. Mais c'est que ça ne se passe pas comme ça. Cette indécision européenne, on a mis trois semaines à décider ce qu'il aurait fallu décider en une heure ou une heure et demie pour calmer les marchés. Cette indécision a affolé tous les marchés sur la stabilité de l'euro et a ouvert une crise inutile. L'Europe n'a beaucoup moins de dettes que les États-Unis ou le Japon, si on prend tout ensemble. Nous sommes beaucoup plus fiables et solides et crédibles que les États-Unis ou le Japon. C'est un problème de commandement. Mais si on ne sait pas prendre la décision à temps, la spéculation va se mettre à propos de la dette grecque sur l'euro tout entier. Elle va ravager les enjeux de pays endettés en euros, mais mal gérés chez eux avec de grosses dettes. Et c'est le Portugal, l'Irlande bien sûr, et puis bientôt l'Espagne, l'Italie, voire même la France.